Bienvenue à toutes et à tous au boulodrome de Dijon. Nous allons suivre ensemble la finale du régional du club du drapeau. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les équipes. Alors, l'équipe du Rhône, Alban Gambert, associé à Lafleur Michel et Marou Julien. Contre l'équipe Collange Michael, Laurent Sébastien et Smel Thierry. Allez, c'est parti pour cette première main. Avec un pancorbet au tir. Deuxième tentative. Pour le bon Robert, c'est cadré. Tiré, attaqué du côté de Michael Collange. Il s'est coupé. Michel Lapeur, le pointeur, encore meilleur. Je l'ai vu tout à l'heure en demi-finale. Très, très belle partie au point. C'est un jeu également très complet. Là, c'est coupé. Des deux, avec une collange, on va frapper maintenant tout ce qu'il faut. Le du drapeau est organisé tous les mois de février de chaque année au boulodrome de Dijon et mené avec son président Michael Blandin. Et Michel Lafleur. Une nouvelle fois repris. À Sébastien Morin, qu'on a retrouvé dans une de nos vidéos en finale du National de Bétnix dans ce même boulodrome. Là, c'est chiqué. Sébastien. Effectivement, ce régional se joue sur deux jours, samedi et dimanche. Donc, samedi, on joue les huitièmes de finale et le dimanche matin, à 9h, on joue les quarts de finale. Alors, Sébastien, je ne sais pas si c'est repris, c'est certainement. Le jeu est ouvert. Oh.
Et bien, l'équipe Corbeil mène 1-0 dans cette première manche de cette finale. Allons 2. Aïe, effectivement 2. C'est le premier bout de contact. Dans ses œuvres, je vous l'ai dit, c'est un joueur très complet, très très bon pointeur. Je l'ai vu jouer les quarts de finale, les demi-finales. C'est frappé pour le cas Collonge. Et contre Michel. Je ne pense pas qu'il perde beaucoup de goals. Pourtant, sur un terrain très sélectif, très caillouteux. Normal pour Michel Lafleur. En passant d'une des boules. En face de l'équipe de Mika Collonge.
Adieu. Si la tente est tirée à 3, et bien ça fait un point. Tirer à l'Alban Gambert. Moi je vais sur une spape et un carreau. Il a perdu. Deuxième tir pour Alban Gambert. Carreau pour Alban Gambert. Là, ça devient chaud. Deux boules, deux points par terre, quatre boules en main, contre trois pour l'équipe Coulanche. Sébastien loin, à qui la cache hein. Et à Julien Marot pour son premier tir dans cette partie, très important, tir à deux. C'est manqué. Manqué double dans cette main. C'est bien dommage. Ça fait une peine mais en perspective. 4 hein. Boules en main, 2 boules par terre contre 3 l'équipe Colombe. Et ben les voilà, avec 2 points. Michel Lafleur. Est-ce que Michel va tirer ce boule? Oh, les
cours en même temps. Je pense qu'il en reste deux. Rentrer.
ça. Allemand Gambero tire au but. C'est un bon shot. Oh, c'est court. Court à la main. Pas rentrer dans le jeu. Ah, du coup, l'équipe collante. Quel bout en main, le point partait. Et un peu de place hein, pour mettre, pour rajouter. Et revenir au score dans cette finale. On part derrière, deux boules pour Lucas Collanche, il peut encore ajouter. Important pour revenir dans cette finale. Parce qu'on joue à droite. Hein. Voilà. Ouh, là. Il a rentré la boule de Julien Marot. Il tire à 4 quand même malgré tout, hein. Il est très difficile à tirer. Pourquoi il n'a pas joué à droite tout au-dessus? Allez, Mika Koulan pour le tir à 4. C'est court. Oh là, on comprend bien. Et bien du coup, un point. Non, il ne marque pas, ils n'ont pas le point. Ils n'ont pas le point, effectivement. Faire 5 points, minimum 4 points par 4 points sur cette main. Et bien ça fait 6-1 pour l'équipe Gambert. S'en tire bien sur cette main. Je rigole un peu du côté de Sébastien Lorrain. Mais ça peut être un tournant de la partie. Hein. Effectivement, Thierry Smith dit mais pourquoi il n'a pas joué à droite? Aucun risque de rentrer la boule de Julien Marot. Et la place pour ajouter encore un point. Une main de 4 au minimum.
Allez. Michel Lafleur, dans ses œuvres, hein, comme d'habitude. Avec un Collange, pour se rattraper, c'est le moment. Manque double. Une petite baisse de régime hein, due à la main précédente. Au bouchon, Sébastien Lorrain. Sébastien manque de double bouchon. Et bien ça nous couvre l'équipe d'Ambert contre deux pour Thierry. Il va retirer le but. Il va tirer le but également, ce jeu de deux bouchons. Et là c'est pas droit pour Thierry. Et bien Alban Gambert. Cadré 6 points. Ah, pas trop de m'en donner à mon avis. Et voilà, c'est cadré. Ça fait le même D6. Donc, ils vont devoir. Ah oui, il y a l'arbitre. Juste à côté, ils sont obligés de jouer les balles. Et bien voilà, une mèche de 6. Passe le score à 12 à 1 pour l'équipe Gambert. Discute avec Lucas Coulanges. C'est pas perdu hein, dans cette partie. Tout peut arriver encore. Michel Lafleur. Allez là. Très vite, un petit peu agacé. Alban Gambert, qui reste sur une bonne série. C'est pas droit. C'est cadré pour Alban.
sur des trous. Allez jouer en 4, en tir de fond, en 4 de points. Sébastien, non, c'est gagné. Allez, Michel l'a fait tirer. Tirer pour Michel l'a peur. Il sait tout faire, cet homme-là. Le sur le haut tir. Rigole, j'en ai mis une. Il s'est passé une méga collange. Je sais que il a fait tourner un peu la partie, mais voilà, il n'est pas déstabilisé pour autant. Allez, 2 points, 12. Pour Michel. Et Alban Gambert. La première. Ah, c'est carreau. Ah,
gagné, hein. Voilà, effectivement. Je sais pas si on va au rond. Michel Lafleur qui reste sur le tir cadré. Et ça ne devrait pas frapper pour Michel. Allez, Mika, faut gagner le point. Il y a presque en terre. Bon, c'est compris. Et 2 à 4. Il est bien tiré, il est au pied, le vent. Julien Marot. De régime du côté de l'équipe Lambert. Attention quand même. 4 boules à 2. Dans tous les cas, ça va contre-attaquer derrière. Jules Amaro. Contre la 31, Bonson. Au jeu numéro 13, la 50 contre la 31.
tirer le but. Et il a tiré le but. Alors du coup, le temps s'exposer. Il y a une possible de 5 points. Lucas Collange tire à deux. Carreau. 3 points par terre. Et 3 boules en main. Ils peuvent leur rendre la main précédente. Là, c'est sûr, il y en a 5. Il a manqué un peu pour vous, c'est bon. Oui, il y avait 5 points. 12 à 9 pour l'équipe Gambert. Et du coup, ben, la partie est relancée. De régime hein, du côté de la banque de Julien Barrault. Le tir. Sketch.
compris. Michel Lafleur. Annika Collange. Il faut bien jouer pour Michel Lafleur. Oh, c'est contré. C'est contré pour Mika. C'est ball. Allez, Sébastien Lorrain. Marc. Concours pour tous les ministres en cadrage du concours B sur le jeu numéro 4, la 21 contre la 37. Au jeu numéro 4. La 21 contre la 37. Alors, il hésite parce que c'est... Il tire à 2 et il pense que s'il fait contre les cadrés, ça fait 4. Bon, c'est un peu gourmand. On va quand même tirer, tenter. Alors pour gagner, il faut faire carreau contré sur la deuxième boule derrière. On va avoir 4 par terre. Ah, c'est bien tiré, mais il n'a pas pris la bonne. Il n'a pas contré la bonne. Il y avait un point. 12-10. Thank you.
de tête. C'est cadré. Premier tir cadré, ça peut se perdre au point. C'est un terrain très dur à pointer. Allez, Alban Gambert. Carreau pour Alban. C'est bien rattrapé. Il y a trois boules du côté de l'équipe Collange et deux boules pour Michel Lafleur. Voilà, il y a Michel Lafleur, une partie extraordinaire. On peut compter sur lui, il n'y a pas de souci. Oh, Sébastien Lénon. Et Lénon. Écoute pas. Ah, que l'on t'est décidé. À mon avis, Nicolas Collange va tirer au but. C'est ça. Allez, Nicolas Collange au but. C'est pas droit. C'est pas droit. Alors, on va mettre en photo, gagner le point. Michel Lafleur en a deux. Pour le tir, on a gagné. Oh, c'est court, c'est perdu. Voilà, victoire de Alban Gambert, Michel Lafleur et Julien Marot. En cette finale du régional de Dijon. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette finale. Je pense que tout le monde a passé une trois belles journées, nous aussi. Et tant que ça se passe bien comme ça, que les gens seront satisfaits, je pense qu'on pourra continuer. Merci.